Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin d'en profiter et de bénéficier de toutes les promotions. Il y a différents jeux du Dragon Ball, du Naruto, bref, même d'excellents jeux qui viennent tout juste de sortir, tous encore une fois à tarif réduit, tout comme des cartes PSN, Xbox, Nintendo Switch, etc. Faites-vous plaisir et comme tous les mois, vous pouvez tenter de remporter le jeu de votre choix. C'est gratuit, participez. Encore une fois, le lien dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, c'est Fenric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP, j'avais envie de me faire plaisir et de rejouer le fameux Gohan San SSJ de Zenkai LF. Les amis, c'était le perso le plus fort du jeu à une époque. Et du coup, comme je l'ai à 14 étoiles, tout ça, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça vaut en PVP dans cette méta. Bien évidemment, accompagné du Goku SSJ Blue Kaioken Ultra et du tag Goku Blue Vegeta Blue LF. Et du coup, pour bien le booster, j'ai mis 3 Cap Z Zenkai, du coup, pour bien booster ce tag. Donc voilà, le but serait de partir avec ces 3 persos, voir également ce que ça donne. Est-ce que Gohan est toujours aussi bon qu'il était auparavant? Eh bien, let's go, on part en combat. Yeah! Pour cette première game, on a une team diva en face de nous. Bon bah voilà, je prends les 3 comme j'ai dit. Ah ouh, par contre, j'avais pas vu ça. Bonne équipe, 12. Oh lolo, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour cette première game, les amis. Ça sent vraiment pas bon. Quand le mec, il a plus de bonne équipe que GG, donc en plus, c'est-à-dire qu'il en a très peu, il en a que 12. Ça sent pas très bon quand même, on va voir. Par contre, le frérot, là, il fait quoi? Il est parti boire un café Ok, bon bah c'est bon. Enfin, ça a choisi purée jusqu'à la dernière seconde. Hein. C'est un truc de fou. Bon, voyons voir un petit peu du coup ce que ça va donner. Ok, il a pris du coup les deux SSJ Blue et puis le Vegeta Zenkai SSJ God. Et bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors juste ces 12 bonnes équipes me font peur. Ça me fait vraiment peur. J'ai peur soit au match nul, soit à la connexion exécrable. On va voir, on va voir. C'est le début de cette nouvelle saison de PVP. En avant, let's go, les aventures. Vous connaissez les amis, hein. La rage, les aventures, tout ça. Allez, on se concentre. Kaioken. Ok, ouais, ça lag en plus. Ouais, ça lag. Franchement, ça lag. Ah, forcément, la cover. Ok, parfait. Voilà, là, il y a une spé qui va arriver. Et voilà. Oh, le Gohan. Eh, c'était pas mal, même à contre-type. Hein. Oh là 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 là. C'était pas mal, là, quand même, ce qu'on a vu du Gohan. Ok. On continue. Voilà. Ok, putain. Par contre, ça lag de ouf. Hein. Et ouais, j'ai voulu faire un timing, mais c'est impossible. J'ai voulu tempo, les frères, mais c'est impossible avec la connexion, là. Je comprends pourquoi il a 12 bonnes équipes. Hein. C'est exécrable. Voilà, allez. Ich. Ok. Allez, oh là là. Forcément, Gohan à contre-type. Bon, bah voilà. Hein. C'est plié. Et Gohan, incroyable. Dans cette game, en tout cas, il est incroyable. Voilà, il n'y a rien à dire. Ok. Pas sur le côté ou pas? Mais la tempo, du coup, elle est pas bonne. La tempo, du coup, avec la connexion, elle est pas bonne. Ah! Bon. Allez, il va mettre la verte. Il a pas fait de verte, il va mettre la verte. Let's go. Il met la verte, ça me plaît, ça. Bon, on n'aura pas besoin de Rising Rush. Il n'y aura pas besoin de Rising Rush dans cette game. Ok. Oh là 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 là. On en parle des blasts, là. On en parle des blasts qu'on vient de voir. Je veux te LF, moi. Je veux te LF. Yes. Bye bye, première game, premier élève de Gohan-san. Oh non, 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 non. Ah, oh là là là. Bah les gars, là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça arrache de la bouche. Franchement, vous avez vu les blasts? Les blasts, elles ont fait vraiment très très mal. Bon, on va voir après ce que ça va donner
dans la suite des combats, mais pour l'instant, franchement, le Gohan, il a bien arraché. Après, ce qui est un peu dommage, bon, c'était la connexion de cette game, c'était pas oufissime. J'espère que les prochaines games seront tout de même bien plus propres. Team Divin pour cette deuxième game, avec le Golden Freezer en leader. Du coup, moi, j'ai pris ces trois-là. Hein. Il a le Golden Freezer. Alors ça, faut faire gaffe, parce qu'il est quand même à cette étoile. Après, il y a le Jiren. Il y a le Vegeta Blue Evo également. On va voir un petit peu, du coup, ce que ça va donner dans cette game. Je pense que ça peut être pas mal, quand même. Hein. Ok, Vegeta Evo. Ah, il a pris le Beerus, tiens. Ok, il a pris le Beerus. Et du coup, il a pris également le Zenkai de Black Goku Rosé. Faut faire attention également à ce Zenkai, parce que ça peut aller très très vite sur mon Goku Ultra, là, ici. Il peut vite se faire cabosser. Allez, les amis. Let's go. Kaioken. Allez, on se concentre. Ah, ok, très bien. Ok. Il fait des dégâts, quand même, hein, le... Le Vegeta, il fait des dégâts. Yes! On a bien tempo. Voilà. Ok, très bien. Donc là, il a mis Black Goku. Si je mets Gohan. Eh ben, regardez les blasts. Et même à contre-type. Hein. J'ai envie de te dire, les blasts, elles étaient vraiment très très intéressantes là. C'est plutôt pas mal. Ok, donc là, il récupère des PV. Voilà, ça permet de temporiser un minimum. Ah, très bien. Oh la vache, putain, ça a crit. Ok. Il n'y a pas les covers, c'est normal. Ça fait bobo. Ça fait bobo. Ça me tue ou pas? Non, je pense pas. Wouh, on était pas loin. On en était pas loin, les frères, hein. Faut se concentrer là, parce que sinon on peut être vite dans la galère. Là, hop, bim, l'ultime direct, voilà. Parfait. Comme il a pas switch, l'ultime direct. Il était full life. Ça devrait lui faire mal quand même. Ah bah ça le tue. Ok, très très bien. Très bien. Ok. Gohan. Très bien. Ok. Il met Vegeta. Parfait, 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 parfait. Bon bah, je pense que là, ça a été comme papa dans maman, j'ai envie de te dire. Ah là, les gars, ça a été incroyable, hein. Ça a été très vite. Hein. L'aspect du Goku Ultra, elle a été incroyable. On voit après les blasts du Gohan SSJ2 LF qui arrivent, qui font mal. Là, bah voilà, Rising Rush, bon bah voilà, il se retrouve en 1v3, c'est plié. Ok. Ah, il a récupéré des PV. Ok. Bah du coup, on va peut-être pouvoir faire un LF. Hein. On va peut-être pouvoir faire un LF, les frérots. Il ne va pas disparaître. Ok. Hop, voilà, le cancel. On va peut-être rajouter une petite blast. Et puis... J'ai même pas pu LF, mais la blast, frère, elle a enlevé quasiment 800 000 de PV. C'est normal, quand t'actives le main et tout, forcément, avec Gohan, les blasts, après, elles arrachent la tronche. Non, mais les gars, on parlait quand même du Black Goku Rosé Zenkai, qui est sorti récemment, là. Face à Gohan Zenkai, qui est déjà du temps de la préhistoire. Ok, troisième game, bah du coup, on prend ces trois-là. La team en face, elle peut être vraiment coriace, parce que du coup, là, 14 étoiles, tout ça. Faut faire attention, il y a du Vados et tout. On va voir ce que ça a donné. Alors du coup, Topo, ouais, faut pas que j'oublie également Topo, il peut lock avec son ultime. Ça peut être casse-tête. Ça peut être vraiment, vraiment casse-tête. Allez, on est parti, les amis. Et comme d'hab, un max de pouces bleus, hein, sur la vidéo. C'est cool quand même de rejouer des persos qu'on kiffe. Oh, là, il a pas tempo, ok. Donc là, voilà, contre-type avec Gohan. Ok. Ok, très bien, il a esquive. Ok. Vados. Oh, J'ai pas les mots ce qui vient de se passer pour Vados, la folle à queue de cheval. Oh là là.
J'aurais du tempo un poil plus. Là, par contre, là, faut qu'on en parle à ce qui s'est passé, Evados, là. Ah, bien. Il a bien tempo là-dessus. Du coup, hop, ça a contre-type, ça va tanker. Voilà. Rising Rush. Ok, je vais mettre la Blast. On contre ou pas? En tout cas, ça tanque, hein. Je contre pas. Est-ce que ça va tuer? Est-ce que ça va tuer? Franchement, je suis pas certain. Eh, le Gohan, il risque de résister, les gars. Eh, il résiste! Il résiste, Gohan, au Rising Rush, là. Donc là, hop, on le voit arriver. Bim. Par contre, costaud également, là. Ok. Ok. Et l'ultime. Bon, là, ça va. Ça va pas tuer et tout, parce que j'ai pas de mort dans ma team. Mais du coup, on s'en fiche, parce qu'on a... On a bien fait mal, on a récupéré des PV, on a tanké sur le Rising Rush. J'ai envie de te dire, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, break cover, mince, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Par contre, elle a fait mal. Hein. Bon, après, elle est à 14 étoiles aussi, mais j'avoue qu'elle a fait vraiment mal. Ok. Ouyayay. Ouyayayayay. Ça va me faire bobo, ça. Ok. Ah, connexion instable. D'accord. Très bien. Mais encore. Bon, il a quitté, quoi. Ouais, il a quitté. Ok, allez, vas-y. Boum. Ça va faire mal. Alors, c'est la Bérésina, là. On a fait des one-shots, franchement, sur Vados. Là, sur... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, purée, je croyais qu'il allait refaire une strike ou quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça fait l'ultime. Voilà, on va faire perdre le Gohan là-dessus. Et puis basta. Bon, voilà, fait l'attaque. Ok. Et là, ça va être cousine. Hein. Les gars, c'est affolant. Non, mais c'est affolant ce qu'on a vu. La Vados, la folle à queue de cheval, elle est partie à la cousine. Et là, juste après, là, vous avez vu le one shot sur le duo, quand on a switché sur le Vegeta Blue, ça a été impressionnant. Donc là, on passe rang 54. On est classé combien, là, du coup, en PVP pour cette nouvelle saison, pour l'instant? Mais franchement, ok, 6867. Ok, très bien. On va continuer encore une game, mais ça a été vraiment impressionnant, là. Voyons voir ce que ça donne également dans cette game. Hop, je prends les trois mêmes et on recommence. Alors attention, parce qu'il y a tout de même le Gogeta Ultra. Faut pas le sous-estimer. En tout cas, pour l'instant, on a fait 3 games. Là, c'est la quatrième. On a fait que des victoires. Franchement, je trouve ça vraiment très correct. Voyons voir également ce que ça donne dans cette game. Je dis ça et puis bah là, je vais avoir directement la défaite. Et puis, on va plus en parler. Non, allez, let's go, les amis. Et puis, les petits pouces bleus en mode Genkidama. Ok, il a fait direct... Si tu danses, moi... je te tabasse, hein, frérot. Ok. Ah, dommage. J'ai voulu recharger, anticiper son pas de côté pour le reprendre en combo, mais ça l'a pas fait. Ok, on va te mettre une petite cover là-dessus. Oui, c'est bon. L'aspect qui va faire mal, normalement. Il va peut-être switcher. Ouais, il switch. Ok. Donc là, il a les strikes de lock. Donc s'il attaque, ça sera que en blast. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Là, un petit break cover en rechargeant. Yes! Oh là là, le break cover qui est passé, les frérots. C'est ça qui est trop fort avec ce Goku Ultra également. C'est, hey, franchement, jouer le Goku Ultra accompagné du Gohan, c'est quelque chose. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là, jusqu'où on va là? Jusqu'où on va là? Oh là 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 là. C'est impressionnant ce qu'on est en train de voir là. C'est impressionnant. Ça tue? Oh, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Oh, j'ai quasiment 1v3, là. Allez, boum, allez, cuisine. Oh là 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 là. C'est impressionnant. J'ai désossé ces trois persos avec mon Goku Ultra. C'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Oh,
C'est honteux, les frérots, mais qu'est-ce qu'on vient de lui faire? Oh, oh là 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 là. Bon bah je pense que on termine vraiment très très bien la vidéo là pour le coup. Donc voilà, bon bah je suis désolé, j'ai pas eu le temps de vous montrer pour cette dernière game le Guan. Bon, l'a quand même vu dans les games précédentes, mais là par contre ça a été... j'ai pas les mots. Dites-le-moi vous aussi dans l'espace commentaire. Goku Ultra Kaioken, meilleur perso du jeu les amis, je veux rien savoir. C'est le meilleur perso du jeu de par sa jauge unique, etc. C'est incroyable. Et face à l'ancien meilleur perso également, du coup, le Gohan. Eh bah écoutez, moi j'ai trouvé ça vraiment très sympathique, fun à jouer. Et du coup, bah dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour aller sur le site Instant Gaming. Vous paierez vos jeux vidéo, carte PSN, Xbox, Nintendo Switch, moins cher. Merci à vous les amis, on se retrouve demain en vidéo. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super !